Bienvenue dans votre émission La Réunion Lila, La Réunion Lila, La Réunion Lila. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va encore ouvrir une porte, et cette fois-ci c'est plus qu'une porte, puisque c'est une des portes de prison qu'on va de nouveau ouvrir. On va y aller de gaieté de cœur, puisque je pense que l'histoire est derrière les grilles, et ces grilles dans la... avec Aline Murin-Ouarot, avec Patrice Pongérard, Guillaume Jamblu et Franck... pardon, j'ai dit une bêtise, Sautron, prénom... Franck Sautron, c'était le bon. On va tout de suite voir ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir à vous. Bonsoir. À vous. La question, c'est... J'allais dire, on ouvre quand on pousse la porte d'une prison. Généralement, c'est parce que on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on sait ce qu'il y a derrière la prison de rue Jacques Dodu. Eh bien oui, bien sûr, on sait ce qu'il y a derrière la prison. Premièrement, pour le moment, on a une végétation qui est très dense, vu l'inoccupation des lieux. Mais en pensant autrement et en pensant plus loin, nous pouvons ainsi accomplir des miracles grâce à cette prison qui est un demeure qui est dur pour les Réunionnais et qui est vraiment ancré dans la société réunionnaise. Vous êtes les deux plus jeunes sur ce plateau. Tout à fait, on a la caution jeune et dynamique. Merci pour la promotion, l'autopromotion. C'est excellent. Il ne faut surtout pas perdre ça. La question, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous, cette prison Jacques Dodu? Qu'est-ce que vous avez comme image? Qu'est-ce que vous avez comme information? Et qu'est-ce que vous retenez? C'est le lien vers notre histoire. C'est un lieu important. C'est un renouement avec mes racines que, comme beaucoup de personnes de mon âge, j'ai un peu oublié. Donc, c'est une aventure. Et on a très eu la clair. Chance de visiter ces murs justement grâce à la DACOI. Et c'était une expérience formidable, c'est un peu beau, voire beaucoup mieux que... C'est bizarre, je sais pas quel est votre âge, mais ça a l'air de vous avoir remué en termes d'émotion, c'est ça? C'est possible, j'essaie de le cacher tant bien que mal, mais... Non, là c'est très mal caché, donc ça c'est mal. Mais la question c'est que justement, au-delà de ça, cette émotion-là, elle vient de quoi à votre avis? Certains pourraient prononcer les mots « esprit des lieux ». Je vois que ça pour l'évoquer. C'est les murs ont des informations. D'accord. Et le contexte fait que ça vibre en nous. Le jeune homme que vous êtes arrive à ressentir ces éléments, ces vibrations qu'ils peuvent avoir sur place. Ouais, ouais. Pour ceux qui y croient, bien sûr. Oui. D'accord. Franck Sautron, j'allais dire le ressenti est le même. On sait qu'il y a eu beaucoup de monde dans surtout pour l'histoire des Noirs, l'histoire des esclaves, l'histoire des Marrons. Élie, entre autres, qui s'est retrouvé là. Ça parle de la même façon. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. C'est fort. Quand on est sur les lieux, c'est une présence qui est très forte vu l'histoire de cette prison. On sait qu'il y a eu un bloc de Noirs. On sait très bien que certains gros marrons de l'époque avaient pris domaine, enfin avaient été dans ces lieux, et leur esprit demeure toujours pour moi. D'accord. Patrice Pongérard, vous êtes sans doute l'un de ceux, pour avoir vu les documents que vous m'avez envoyés, qui connaît bien le site. Aujourd'hui, est-ce que on peut donner une image sur une image certaine de ce que ça a été cette prison, non pas pour ceux qui y ont été à la fin du XXe siècle, mais ceux qui l'ont connu dès le XVIIIe siècle, dès le XIXe siècle. Cette page de l'histoire de la Réunion, elle est écrite dans chaque endroit qui a été construit au fur et à mesure. Quelle image le Réunionnais doit avoir de cette période-là, de cette époque où la prison devait mettre des esclaves, des Noirs, derrière des grilles? L'image que les Réunionnais doivent avoir de ce site, c'est que c'est le mémorial de l'histoire de la Réunion. Donc c'est le mémorial des Réunionnais. Et les murs témoignent d'eux-mêmes, ils sont là, ils sont intacts. Alors je rappelle que Guillaume et Franck ont travaillé sur le 3D, ce qu'on appelle en patrimoine la photogrammétrie. C'est-à-dire qu'ils connaissent, ils ont connu les murs par rapport à des plans, on a trouvé les plans. Bien entendu, les plans anciens, depuis les plans du 18e, en passant par les plans du 19e et même les plans du 20e, les 80% des élévations sont historiques, c'est-à-dire datent d'avant la Seconde Guerre mondiale.
Et ce mémorial-là, c'est que il y a des les murs sont en place et lors de la dernière visite, on a pu corroborer des informations qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait pas accès à l'intérieur. Et là, on a compris encore plus la force et je dirais la présence et le caractère dominant de l'historicité des murs historiques de ce lieu. Ce n'est pas seulement une prison, ça a été un centre public administratif et c'est un espace qui témoigne, c'est un fort témoin de l'esclavage et de l'engagisme. Les gens qui y sont, ce sont des résistants. Donc 60, sur la période de l'esclavage et de l'engagisme, 70% des incarcérés, ce sont des gens qui se sont révoltés. Je donne par exemple la révolte qui a eu lieu en 1828 sur l'établissement de Villèle, donc à Saint-Gilles-Léo, où des engagés indiens sont battus au même titre que les esclaves. Les engagés indiens se révoltent. Ils se trouvent enfermés. Certains même sont exécutés sur place parce que c'est un lieu d'exécution également. C'est pour ça que le lieu est vraiment chargé d'histoire, hein, et de mémoire, surtout sur l'espace de la cour des Noirs-Marrons. Le problème, c'est que dans les éléments sont protégés, ce ne sont pas les éléments de l'esclavage. On dit, du moins, ce sont des éléments indirects, mais les lieux même d'incarcération qui sont conséquents, hein, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que les murs que Élie et ses combattants ont connus, ce sont les mêmes, ce sont ceux qui ont été construits entre 1772. On pinaille sur l'année près, mais on connaît, je dirais, l'intervalle historique, hein. Ce sont les mêmes murs. J'ai même remarqué un dallage en pierre de taille dans le bloc des Noirs, qui est fait pour ne pas creuser. C'est un dallage, ce sont des dalles de plus de 2 mètres de long, donc on se demande qui a pu transporter ça. Pour casser les cuilles, il n'y avait pas le Bobcat à l'époque, hein, sans faire de pub. Donc ce dallage est... Il y avait mieux, il y avait des noirs pour le porter. Voilà, il y avait des noirs, tout le monde, c'est les esclaves qui le taillaient même dans la cour, et donc ensuite qui le transportaient et qui scellaient. Et ça, c'est pour éviter de creuser. Donc pourquoi le mémorial du Réunionnais? Le mémorial du Réunionnais, parce que dans les prisons, on met les dominés. Et à travers la lecture d'une prison, d'un lieu d'enfermement, et on comprend le cadre de la domination et les moyens de la domination. Donc c'est, je dirais, c'est le témoin le plus probant, le plus clair de l'histoire. Le patrimoine, je le répète, hein, il n'y a pas besoin de faire 15 masters pour comprendre c'est quoi le patrimoine. Le Réunionnais modeste peut le comprendre. Ce sont les traces. Si on casse et on garde seulement les livres, qui va lire les livres? Donc, si on veut une mise en patrimoine, un respect du patrimoine démocratique, il faut rester, il faut laisser les traces. On témoigne, c'est eux qui témoignent. La question, elle est beaucoup plus sociologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette prison, certains Réunionnais se posent la question, est-ce qu'il faut garder une prison comme héritage, comme patrimoine d'un passé? Est-ce que c'est le bon symbole de notre passé? Est-ce que c'est le bon symbole pour l'esclavage? La question, elle est là, c'est que, comme j'ai posé tout à l'heure la question, comment on doit regarder cette prison, est-ce que les Réunionnais ont suffisamment d'informations pour aller dans un sens ou dans un autre? Et si ce n'est pas le cas, quel travail faut-il faire pour que le Réunionnais découvre ou apprenne que dans cette prison, s'est joué beaucoup de vie et beaucoup d'histoire? Non, d'abord, je tiens d'abord à remercier à nouveau, ça fait la deuxième fois qu'on est sur ce plateau, à remercier tous les médias, toutes les associations, toutes les personnes qui aujourd'hui prennent conscience de la nécessité justement de valoriser ce haut lieu de mémoire. Je sais qu'il y a plusieurs associations, bon, pour ne citer que Quartier Libre, Casse la Chaîne, et beaucoup de militants, et également la DAC, l'État aujourd'hui, qui sont vraiment une union renforcée pour dire que cette prison pourrait être, comme d'autres lieux de mémoire, un espace qui valorise, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Monsieur Pongérard, qui valorise justement les traces de notre passé. Je l'ai visité, moi, ce vendredi. Il y avait aussi une association qui nous avait précédés. La DAC a ouvert la porte à Quartier Libre, à Casse-la-Chaîne. Moi, je peux vous dire, on ne peut pas rester insensible lorsqu'on est dans cet espace. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa vision et il faut la respecter. Ces murs parlent. Dans ces murs, les traces sont présentes
il n'y a pas vraiment... ils ne sont pas abîmés, en tout cas. Ça n'a rien à voir avec la Maison Rouge, qui est vraiment un espace à Saint-Louis où tout est abîmé. Et là, j'ai envie de dire, il est important. Et là, la collectivité régionale, qui a mis au cœur de sa politique le patrimoine, nous rejoigne. Oui, Monsieur Ramoudou, les Réunionnais doivent savoir ce qui s'est passé dans cet espace qui retrace notre passé. La question est là. Bon, j'ai vu plus ou moins le site de Maison Rouge, qui est juste à côté donc du musée du Madois. Donc, il n'y a pas vraiment un entretien. On ne fait pas revivre Maison Rouge. On fait revivre le Madois. Et encore, pas bien longtemps apparemment. La question, c'est comment vous, dans le travail que vous faites, que ce soit Quartier Libre ou d'autres associations ou d'autres personnes, comment faire pour expliquer aux Réunionnais cette prison, c'est bien plus qu'une prison, c'est tout un symbole de l'histoire, de ce qu'elle peut être l'esclavage, le début de la construction de la Réunion, de l'identité réunionnaise. Comment vous pensez qu'il faut le faire ? D'abord, notre histoire ne doit plus demeurer sous silence. Quand on va en France, Vincennes, le château de Versailles, la tour Eiffel, les cathédrales gothiques. En France, il y a vraiment une grande prise de conscience. On est conscient qu'il faut préserver le patrimoine. D'ailleurs, je crois. Et d'ailleurs, que les Gilets jaunes, pour marquer justement leur mécontentement, ils ont été pillés certains monuments historiques parce qu'ils savent que les monuments historiques retracent la présence, la mémoire des hommes. Comment faire comprendre aux Réunionnais, mais comme nous sommes en train de faire. Je vais juste dire qu'actuellement, il y a Stéphane Bern qui a mis en place donc tout à fait un loto patrimoine. Un jeu de loterie ou loto pour 24 millions pour essayer donc de préserver, maintenir des monuments historiques. Et d'ailleurs, il y en a deux qui sont des temples du sud et de l'ouest, qui sont concernés. C'est une excellente initiative, puisque là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une véritable union. Et là, les Réunionnais doivent s'unir, justement. Il n'y a pas de division dans ce travail. Et la connaissance, elle passe par ce que fait M. Pongérard, les jeunes, Quartier Libre et consorts, l'État. Ce qui est important, c'est que les Réunionnais prennent conscience aujourd'hui que notre patrimoine ne doit plus être massacré, sacrifié sous les pelles des tracteurs pour construire. On a besoin des constructions, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, on a la Réunion. Il ne faut pas avoir peur de dire, ne nous construis pas l'endroit où ça a eu des pillages, l'a eu des morts. Nous n'en avons respect, nous, de nos bonnes ancêtres. Nous n'en avons respect des personnes que l'a eu cette souffrance. Et pourquoi les Réunionnais ne sont pas au courant? Peut-être parce qu'on ne leur a pas donné aussi la possibilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous sommes là, debout et libres, pour pouvoir justement dire, Dodu, c'est un espace historique dans lequel, on l'a dit autour de cette table, il y a eu des marrons, il y a eu des esclaves, il y a eu des engagés qui ont été enfermés parce qu'ils ont dit non à un système à l'époque. Alors pourquoi on préserve en France? Pourquoi on ne préserverait pas ici? Et aujourd'hui, on ne veut pas faire de division. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective. Et je dis bien, je remercie l'État d'être avec nous et que cette union se fasse avec toutes les personnes, tous les militants pour pouvoir valoriser ce haut lieu de mémoire. Alors, ma question est pour Patrice Pongérard et Franck Sautron et Guillaume Jeanblu. La question, c'est est-ce que dans les discussions que vous avez autour d'eux, également Aline Murin, si elle veut bien, dans les discussions que vous avez avec votre environnement, avec les gens autour de vous, est-ce que vous êtes surpris de voir qu'il y a une forte ignorance, il y a une méconnaissance de notre histoire et que parfois il faut vraiment remettre les choses à leur place pour que le Réunionnais se rende compte à un moment donné que il y a vraiment une grande histoire dans cette prison? Alors, le patrimoine, c'est toutes les traces qu'on conserve pour lier le passé. Donc il faut dépasser le trauma carcéral. C'est pas parce que c'est une prison qu'on ne la protège pas. Bah, c'est un petit peu une image négative c'est aussi. C'est le premier écran, c'est le premier blocage. Je parle d'un blocage sociétal. Comme je dis, la prison, c'est le moyen de comprendre comment un système
agit et domine. Dostoïevski dit, lui qui a fait le goulag, hein, qui a l'expérience de la prison, lorsqu'on voit la façon dont on traite ses prisonniers, on comprend dans quelle société on est. Donc il y a une lecture de la société. Le patrimoine, c'est pour témoigner du passé, ce sont des témoins. Et c'est vrai que nous, à La Réunion, à un moment, on nous a mis dans la folklorisation, c'est-à-dire on va protéger les belles maisons créoles, on protège le monumental, ce qui est beau, ce qui fait rêver, les blanches travées de la demeure créole, les allées de cocotiers qui mènent à la demeure. Mais pas les éléments du peuple. Là, c'est le peuple qui parle. Les gens qui sont enfermés, en termes de statistiques, quand on regarde le 19e, il y a des études qui ont été faites sur la prison. Hein. Entre autres, la thèse de Bruno Maillard, brillante thèse, qui permet de comprendre le phénomène d'incarcération publique d'esclaves. C'est peu connu. Hein. Même aux Antilles, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on sort de la prison domestique, parce que l'esclave et même l'engagé, ils ont une prison chez le maître, pour aller dans une prison publique. En fait, ce phénomène-là est fait pour broyer les résistants. Ils vont avoir dans la prison donc des conditions encore plus dures. Donc il y a les coups, hein, il y a les sévices, il y a la présence devant les exécutions. Lorsque on assiste à une exécution, eh ben ça choque. Il y a les pyramides. C'est qui a construit les pyramides? C'est Pharaon ou les ouvriers, les dévots qui construisent? C'est ça la question. La question, ce sont les enjeux sociaux de la mémoire. C'est-à-dire que, est-ce que les dominés n'ont pas le droit à un patrimoine? Donc, on joue sur ce trauma carcéral-là. Ce trauma carcéral-là, il est absurde. Et lorsqu'on prend le temps, et c'est pour ça que notre équipe technique, c'est une équipe technique, Guillaume est ingénieur, et il s'est occupé avec Franck, qui est son adjoint, qui est un étudiant en génie civil, de la photogrammétrie, c'est-à-dire que par centimètre, on connaît les lieux. Et lorsqu'on explique aux gens le bâtiment, la présence et la vocation des bâtiments, en 20 minutes, ils sont convaincus. Le trauma carcéral, il part et ils comprennent que c'est un lieu qui est important. Ce lieu est aussi important que Gorée. Je rappelle Gorée, c'est une fortification. C'est une île fortifiée au large du Sénégal qui est là pour protéger la traite qui se passe sur la côte. Mais Gorée est seulement un passage vers l'allée. Il quitte définitivement l'Afrique pour partir vers les destinations de la plantation, de l'habitation. C'est un système concentrationnaire, c'est comme les camps de concentration, hein, l'habitation. Hein. Donc c'est pour ça que les ouvriers sont dans des camps. Bon, il n'y a pas de mirador, mais... On l'a vu surtout, on a vu ça sur la Sierra Leone aussi. Tout à fait. Où ils ont construit des fortifications juste sur la mer pour pouvoir même placer les esclaves à l'intérieur. Un espace comme Dodu est aussi important parce que Dodu permet de comprendre le traitement de l'esclave et de l'engagé à destination finale. C'est un espace qui est fait pour broyer les résistants, pour faire comprendre que on ne s'enfuit pas. Un marron n'est pas automatiquement un rebelle. Hein. Un marron, c'est quelqu'un qui fuit les coups, qui fuit la faim. Je rappelle qu'on dit qu'il y a des délinquants qui sont dedans. En tout cas, par rapport à la période esclavagiste et de l'engagiste, il y a des résistants. Sur la période de l'engagiste, où il y a des études qui sont sérieuses, c'est souvent un sas intermédiaire pour envoyer les engagés, qu'ils soient indiens ou africains, vers le bagne de Cayenne, qui ouvre sous le Second Empire vers 1850. C'est en Guyane. C'est en Guyane, mais Juliette de Dieu, enfin, ça s'appelait pas Juliette de Dieu, c'était la prison de Saint-Denis, une étape avant d'être envoyé. Et l'objectif est de choquer et de broyer. C'est un broyeur. Et sur le... Guillaume et Franck vont vous parler de ce 3D-là qui les a occupés durant de longs mois. Et parfois même, certaines soirées, j'étais obligé de leur dire d'arrêter pour avoir un peu de sommeil. Eux, ils ont vécu les murs, ils ont vécu par centimètre par centimètre. Alors, bien entendu, moi, j'ai dirigé parce qu'il fallait l'historien, c'est moi qui faisais le diagnostic et eux ils avaient besoin des moyens techniques, c'était de pas confondre des plans. Et
Ils le font pourquoi? Ils le font de manière pédagogique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le 3D, une fois qu'on a les élévations, on comprend le fonctionnement, on comprend l'organisation de la prison, du système carcéral, et on comprend quoi? Ben, on comprend c'est quoi Juillet de Dieu. Vous imaginez que jusqu'en 2008, on a enfermé des gens dans cette prison coloniale. C'est une prison qui est déjà dépassée en termes d'organisation au 19e siècle. Au 19e siècle, on fait un autre type de prison qui est le système, par exemple, philadelphien, où on commence à faire des cellules individuelles. Tandis que quand on regarde Dodu, à part les cachots, qui sont terribles, hein, ce sont des cachots de moins de 9 mètres carrés, cachots, tout le reste, ce sont des dortoirs. Et grâce au 3D, on arrive à faire la différence entre des murs qui ont 80 cm de large et des murs en parpaing qui ont 10 cm. Mais tous les plans d'origine sont là. On a été encore surpris, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on a rajouté. Eux, ils ont retravaillé après samedi, après vendredi, ils ont retravaillé dans le week-end pour rectifier. Mais une fois qu'il y a cette... Il faut de la pédagogie. Et c'est grâce à cette pédagogie-là, cette diffusion du savoir, que le Réunionnais s'approprie son patrimoine. Il comprend que le patrimoine, c'est pas seulement les grandes villas créoles, parce que le patrimoine n'a pas de parti politique. Le patrimoine n'a pas de classe sociale. Exactement. C'est une lecture de la société et du passé. Et lorsqu'on connaît son passé, on est plus fort. Et on connaît une expérience. Alors, personne ne lit dans le Marte Café, ni en guillemets fait de service, mais c'est vrai qu'on est imprégné parce que les murs nous parlent. Exactement. Ils voient et ils nous disent protégez-nous. Ils nous disent protégez-nous. Et lorsque les gens. On va vers les quartiers et on va aller dans les ronds-points, on va aller dans les centres d'animation socio-éducatifs lorsque le petit film sera terminé, avec le 3D pour faire comprendre. On a un projet pédagogique avec les enfants qui s'appelle Dessine-moi une prison d'esclaves, pour qu'ils comprennent que l'esclave n'est pas seulement incarcéré chez le maître, il est incarcéré aussi au niveau public, donc pour être dans un cadre plus répressif. Ce qu'il faut dans ce dossier-là, c'est pas, je dirais, des divisions, parce que là, on joue les intérêts adverses, mais c'est comprendre, c'est lire son histoire et s'imprégner. Moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je travaille à fond sur l'histoire de la Réunion et sur le patrimoine. Avec ce site-là, j'ai appris des choses. J'ai changé mon regard sur mon histoire. J'ai changé mon regard sur l'esclavage. Je suis toujours féru d'histoire et spécialiste, entre guillemets, j'ai compris que à travers ce site-là, on a notre espace de mémoire de l'esclavage. Comment on va pouvoir mettre dans la prison du bloc des Noirs, là où je vous ai dit que n'avait ces dalles immenses, hyper lourdes, elles doivent peser des tonnes, hein, où Élie, pas seulement Élie, tous les résistants ont été enfermés. Donc dans ces espaces-là, on comprend c'est quoi le marronnage, on comprend le risque que les gens, ils l'ont payé ils ont été décapités. Je rappelle, c'est très intéressant la période de la révolte d'Élie. Je rappelle qu'elle est sortie de l'oubli il y a seulement quelques années. Il y a seulement une dizaine d'années. On ignorait. Et nous, à chaque fois qu'on parlait d'esclavage, il y a des gens, oui, mais l'esclavage à La Réunion était plus doux. Il n'y a pas eu de révolte. Il y a une révolte à Saint-Leu qui a uni toutes les habitations du Gol. Vous imaginez, le Gol, c'est une habitation colossale. C'est 600 hectares, plus les habitations de l'ancien chemin de ligne de Saint-Leu. 300 esclaves. Il y a eu plus de 120 tués. Ce qui fait qu'il y a 150 personnes qui ont été jugées. L'entassement était tel, quand je dis entassement, c'est-à-dire qu'on met les esclaves par étage et ils sont attachés. Ça a été le lot commun. À travers la thèse de Maillard et également à travers le travail d'histoire de Patrice Pagliette qui, lui, a étudié à l'époque du langagisme, l'entassement est le même, voire pire. Et on comprend le sort réservé, je dirais, à une catégorie qui est créé par le système colonial après l'abolition de l'esclavage. Les affranchis plus les engagés. Donc le noir paye toujours la domination. Il est toujours écrasé, il est toujours inférieur dans cette société-là. Donc il y a toujours de l'entassement. Et il y a surtout, dans ce lieu-là, une possibilité d'avoir en plein centre historique, pas seulement un lieu de mémoire, un lieu de haute valeur touristique. Nous battons pour qu'il soit protégé par l'UNESCO. C'est pour ça que je parle de la valeur par rapport à Gorée. D'accord. Je vais revenir avec Franck et Guillaume. Comment vous parlez de la prison avec vos camarades, avec les jeunes de votre génération?
Comment vous leur parlez? Alors, c'est très marrant parce que pour eux, cette prison qui est. On va pas se mentir, elle est moche de l'extérieur. Elle est pas attirante. Même à l'intérieur, elle est pas jolie. Hein. Et ben, elle n'attire pas. Elle est délaissée par le regard des jeunes. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? Je vais être. C'est un mot très très dur, mais c'est l'ignorance en fait. Quand on n'a pas connaissance des lieux, quand on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas juger. Et certaines personnes se permettent de juger sans vraiment connaître le fin mot de l'histoire et connaître la date des lieux et la date des murs et compagnie. Qu'est-ce que Franck dit à ses copains lorsqu'il parle de ça, quelle information il lui rapporte? Alors, moi, la première chose que je dis, c'est le patrimoine de La Réunion. On sait que les anciens murs datent déjà du XVIIe siècle. Donc on peut dire que c'est le début de la colonisation à La Réunion. On sait très bien que dans le centre pénitentiaire, on avait le premier tribunal de Saint-Denis, on avait des magasins, on avait plusieurs choses qui étaient là, qui étaient la mairie de Saint-Denis à l'époque. Mais maintenant, si on enlève toutes ces traces-là, si on la rase cette prison, comment voulez-vous qu'on puisse avancer et donner aux jeunes l'opportunité de connaître leur patrimoine, vu que on ne sait rien là-dessus pour le moment. Si on n'est pas scientifique et si on ne sait pas localiser et cibler sur ce problème-là, on ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Guillaume Jean-Bleu, est-ce qu'un jeune comme vous a besoin d'avoir ce patrimoine dans la construction de ce qu'il est, de son identité et de son avenir? Ben justement, vous répondez presque à la question que vous avez posée, c'est-à-dire que moi, la façon dont j'en parle aux autres, c'est pas tant que j'aborde l'aspect historique ou architectural de la chose, mais j'essaie de les amener plutôt vers s'approprier ce lieu-là, c'est donner des idées de comment ils pourraient le voir dans le futur, parce qu'en fait, c'est faire le lien passé vers futur, c'est comment on transforme ce lieu-là en... C'est un volcan de noirceur, en paradis, en fait. Ça, c'est l'approche que j'utilise pour communiquer avec mon entourage. D'accord, il nous reste 4 minutes et je vais vous poser la même question. Dans les jours, les semaines à venir, quelle va être votre action? Continuer à faire connaître, comme a dit les jeunes là, sur le plateau, à faire connaître ce qu'il y avait dans cet espace. Continuer à populariser, continuer à sensibiliser, mais surtout faire en sorte qu'il y ait une union de tous les Réunionnais, de tous les scientifiques, de tous les historiens, de tous les politiques autour de ce haut lieu de la mémoire. Tous les politiques n'ont pas cette envie de sauvegarder Peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant. Autour de cette table, on a parlé de l'ignorance. Peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas au courant effectivement de ce qui s'est passé. Mais moi, en tout cas, je suis une élue fière aujourd'hui. Fière de voir que progressivement, il y a cette émulation, il y a cette cohésion, il y a ce partage. Ben, que les élus aussi, au-delà de la notion de clivage, parce que notre patrimoine, M. Pongérard l'a dit, la pointe couleur. Notre histoire, c'est ça, c'est ce joli volcan, mais pas pour brûler à nous, mais pour donner à nous la force, pour donner à nous le dynamisme pour continuer à développer notre pays. Donc, dans les jours à venir, ben, on continuera à en parler. Avec vous aussi, avec Télécréole aussi, qui nous accompagne dans cette démarche de populariser, de démocratiser ce lieu de mémoire. Je reste sur ma question, puisqu'il ne me reste que deux minutes, en fait. Là, aujourd'hui, c'est d'abord travailler pour que ce qui est un vrai devoir de mémoire, que la Réunion, les Réunionnais dans leur plus grand nombre, puissent vraiment savoir ce que ça représente. C'est ça, c'est notre démarche. C'est cela, et c'est surtout dans une démarche de la réparation. La loi Taubira de Lannion, où l'État français reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, il faut réparer. Il faut réparer les blessures psychologiques, elles sont encore là. Il faut réparer par la mémoire, le traumatisme est encore là. On pense pas à la réinsertion des détenus actuels. Il y a du travail qui est fait, mais on a la place pour faire à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer ce broyeur en développeur, en paradis dont on parle, en paradis du savoir dont parle Guillaume, en paradis de la rencontre, que le détenu qui est en stage, qui est en alphabétisation, qui est à l'école, croise le chercheur, le professeur d'université qui vient d'Afrique du Sud ou de Paris ou des États-Unis. Il y a également un centre de recherche qui est prévu. Il y a
ça n'empêche pas des commerces, mais dans le sens du respect de la sacralité. On va pas mettre un restaurant là où les grands résistants de notre histoire sont morts de faim. Et tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on est dans la réparation. Il faut réparer. Pour avancer, il faut réparer. L'acte étant de la réparation. Et je pense que on a Madame Aline Murin, qui est, je rappelle, présidente de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, qui est déléguée à la culture, à la région, à la patrimoine, au patrimoine Grand Chantier. On a un député qui a fait la demande du classement. Au fur et à mesure, les gens vont venir. Nous, on est heureux que, au fur et à mesure, mais il faut vraiment une forte mobilisation populaire. Il faut une appropriation. Il faut que les Réunionnais fassent corps. C'est leur histoire. C'est leur Versailles à eux. Même si c'est un Versailles, c'est en connaissant son trauma qu'on arrive à avancer. Quelqu'un qui a eu un trauma, s'il ne connaît pas, nous on a la devise de Casse la Chaîne. Casse la Chaîne, quelle est la devise de Casse la Chaîne ? C'est une association, c'est ça ? C'est un collectif d'associations qui va faire partie, qui va déposer son expertise également, aidée par la région Réunion, à l'expert, parce que l'expert, c'est pas en une semaine qu'il va faire. Nous, ça fait 2 ans qu'on est sur les études. Et montrer que on doit s'approprier que c'est notre histoire. Donc, quelle est notre devise ? Pour dépasser un passé traumatique et ne pas le reproduire, encore faut-il le connaître pour avancer. Merci Patrice Pongérard, merci également donc à Guillaume Jean-Louis, merci à Franck Sautron et Aline Murin. Merci, merci à vous. Merci à toi, Télécréole. La question, en tout cas, elle est posée. Est-ce que la prison Jette de Dieu peut-être peut devenir une Bastille ? On verra. En tout cas, c'est ce que les Réunionnais décideront. En tout cas, merci. Rendez-vous le 4 ou le 5 avril, je crois, pour l'évolution du dossier. Ça va être une date assez clé. D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de revoir ça. Okay. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla.